leur demande. J'espère vraiment qu'au niveau du son c'est bon. Mais par rapport au réglage d'hier, normalement ça devrait être bon. Ah non, il n'y a plus personne. Voilà, je pense qu'il faut que j'aille sur le navire. Mais je vais voir s'il y a des marchands quand même. Hop là, c'est par là. Hop. La porte disparaît. Et les marchands, ils ont pas bougé. Bienvenue. J'ai mis des articles spéciaux de côté pour toi et ton équipage. Sers-toi de ces articles pour faire regretter à ces vagabonds tout ce qu'ils nous ont fait. Alors, on lui achète des trucs. Mais quoi ? Ah bah déjà de la vie, ma gueule, ça de la vie. Cristal ensorcelé qui guérit un allié de tous les effets néfastes. Non, on s'en fout. Pour l'instant. C'est à partir de la rosée qui se forme en sonore magique. Ah, ça oui. Ça oui, ça oui. On en prend 10. Ça fait que 400, ça va. Non, 500... Ah, elle a pas les gros qui donnent 1000. C'est dommage. On en prend pour 400. Voilà. Bon, ça peut paraître beaucoup que je claque ma thune là-dedans, mais bon, c'est vachement important. Et je pars. Si aucun pirate de l'air ne revient, je vais fermer boutique. C'est pour ça que je compte sur toi pour les ramener, Vice. Et dépenser un maximum de thunes dans ma boutique. Capitaine Dine m'a ordonné d'enfermer à clé toutes les armes. C'est sûrement pour ça que les autres pirates ne raffent pas mon stock. Sinon, comment ferais-je un profit? Tais-toi. Hoche. Ce qui m'énerve, c'est sa veste de merde que j'avais achetée. Ah, je peux vendre son short. Pas vendre le short de la Gondesse. Yeah. Alors, il me reste 700 et des patates. On peut pas lui acheter grand chose. C'est un bouclier. Qui est assez 180, ouais, si on va prendre. Attaque moins 11. Peut-être fait une connerie. Je vais arrêter les conneries. Je suis pas sûr. Je suis un peu paumé dans le jeu. Niveau des stats de l'équipement, je sais pas pourquoi. Bon, je pense qu'on va prendre le navire directement. Merde, pour moins 200. Par HL, on peut ? Non. C'est une chaîne en 2D. On peut pas. Yeah. Pas où je descends, moi. Je suis totalement con, c'est absolument pas par là. On va prendre la corde. Comment perdre du temps, .com. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, ce bruit. Bon, c'est pas une corde, c'est. C'est un mât en bois. Comme pour les pompiers.
Comment il glisse? Ah, il glisse, c'est bien. Normalement, il y a la sortie par là. Yes. Vous, je vous ai déjà parlé la dernière fois. On va s'épargner ça. Allez, on y va. Ah, du coup, on a juste le petit navire de mer, on n'a pas le gros. Ce serait bien qu'à la fin, on puisse... Hop là, demi-tour. Non, c'est par là. Oui. Ce serait bien qu'à la fin, on puisse avoir un gros cuirassé. Je pense pas. Ou qu'on puisse personnaliser son vaisseau. Ça serait cool. Bah, ils m'attendent tous là. Non, mais je m'en fous de conduire du coffre. Pau, pau. D'accord, Pau. Je dois partir pendant quelques temps. Sois gentil, éveille sur tout le monde, d'accord? Pau, pau. Pau. Je vais essayer de tout arranger. Tu verras. Ne t'inquiète surtout pas. Ok, Rice? Nous ne sommes plus les bébés. J'avais un peu peur au début, mais nous aussi nous devons apprendre à nous débrouiller. Ne t'en fais pas pour nous, Vice. Nous nous occuperons de tout pendant ton absence. Ma blessure, ça va beaucoup mieux. Mon père m'a toujours dit que ce qui fait mal, mais ne tue pas, rend inévitablement plus fort. Et j'ai du mal à lire, putain de bordel de merde. Vice, promets-moi une chose. Tu vas me promettre que tu reviendras en un seul morceau, quoi qu'il arrive, ok? Promis? C'est une gosse, on va dire ok, promis. Ok, promis. Est-ce que cela m'est déjà arrivé de ne pas rentrer? Est-ce que je t'ai déjà laissé tomber, Lindsay? Non, tu es toujours revenu. Tu vois? Alors c'est inutile de s'inquiéter. Je reviendrai et je ramènerai tout le monde. Ok, tu promets alors. Nous t'attendrons. Reviens vite. Par contre, je sais pas pourquoi il y a le tululut. Ça veut dire qu'elle a plus confiance en moi? Je sais pas. J'aurais dû sauvegarder avant, c'est pas grave. Fais, Aïcha, bonne chance. Vous avez intérêt de revenir, promis? Bien sûr, ne vous inquiétez pas. En plus, nous reviendrons avec tous les autres. Ok, Aïcha, allons-y. À vos ordres! Valois devrait être sur un continent au nord d'ici. Au nord, d'accord. Je mets le cap. Valois, nous voilà. Maréchal, nous voilà. Dans notre barque. Pas une grosse barque. Oh non, la mer qui attend. Enfin, qui attend. Qui nous dit au revoir de loin. C'est parti pour l'aventure. Au nord d'ici, bah tout droit. Aïe. Enfin, peut-être pas tout droit, littéralement. Putain, le bruit. On dirait une mobilette, quoi. Pas trop de rencontres, s'il vous plaît, aléatoires. Pom 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 pom. Bah. Bah, il y a un machin blanc, je déteste ça. Ah, mais tout a été régène en fait, c'est bien. On va attaquer d'abord le Garasling. Parce que les loopers, les machins blancs là, ils ont tendance à fuir. Quand on attaque d'abord leurs camarades. Donc toi. Non. Mettez-vous tout sur lui. Ah, manqué, putain, j'ai eu du cul.
Au pire, tu te casses. Si, je crois que c'est 7, ouais. On va essayer. Ah oh, putain. Ah, ça va faire mal. Ça va. Elle va attaque spéciale. Mais t'attaques normal, toi. Ok, ça sert à rien à chaque fois, donc. Avec ça, le one shot, s'il vous plaît. Ça m'étonnerait. Au moins, c'est pas manqué. Non. Ouf. Yes. Allez, au revoir. Hop là. Ah, super pour le move. Nickel. Alors qu'elle a pas touché une seule fois. Si, la bestiole. Alors. On a perdu un peu de vie, mais c'est bon. PM 6. Il ne reste que 4. Bon, ça va. Non! Non, les armes. Aide de tueur. Ah, elle a pris automatiquement. Ah, parce que si je fais un changement. C'est toujours à de les cuire. Attaque 19. Ah non. Toujours une arrière. Attaque 19. Donc, j'ai pas fait de conneries. Ouais, voilà. Oh. Je sais pas, à chaque fois, j'ai l'impression que je suis une arrière. Allez hop. Est-ce qu'on peut aller sur toutes les îles? Par exemple ça. Pardon monsieur. Non, ça marche pas. Alors, j'espère que c'est pas trop long de voyage parce que... Bon ça, les attaques classiques hein, sur ces mers-là. Je pourrais faire fuir, je suis con. Wow, ça fait l'XP facile. Pas vraiment. C'était pas vraiment fun. Allez hop, hop, hop. À l'aventure, compagnon. Je suis où là? Ah, je crois que je suis contre le mur. Ok, alors attends, faut peut-être aller là, hein, je sais pas. Non, pourquoi? La visibilité est affreuse. Veille, le brouillard est trop dense. Je ne vois presque rien. C'est étrange, il n'y a jamais de brouillard dans cette région. Je me demande d'où ça vient. C'est le seul passage pour aller à Valois. Réduis la vitesse de moitié. Weiss, attends, nous sommes trop près de cette île là-bas. Oui, et ok, ça avance tout seul. Ah, les cinématiques. J'aime bien les cinématiques maintenant le jeu. Quoi? Où? C'est un fucking cuirassé. J'espère qu'on pourra sauvegarder. Ah! C'est une fucking bestiole plutôt. Ce n'est pas une île, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vivant!
C'est une baleine désert qui fait un bruit extrêmement bizarre. Quoi ? C'est une baleine ! Tu veux pas me dire que c'est un boss ? Son niveau proportion, on est une puce. Qui pilote par contre si vous êtes là ? C'est la première fois que j'en vois une aussi grosse. Faze, nous allons nous faire tuer si nous nous approchons trop. Trop, pardon. Mais il faut vite aller à Valoir. Faze, que devrions-nous faire ? L'attaquer, battre en retraite, je ne sais pas. Battre en retraite. Faut pas attaquer ça. D'après toi... Oula, bordel. D'après toi, que va-t-on faire ? On va battre en retraite, évidemment. Nous n'avons aucune chance contre cette chose avec ce navire. Je sais que nous sommes pressés, mais si cette chose nous fait chavirer, ils vont tous être exécutés. Ne viens pas prendre de risques. Exactement. Je suis d'accord avec toi, tout ira bien tant qu'elle ne nous voit pas. Oh, le cri. Ah, pas trop gueulé quand même, Master-ci. Ok, on est mort. Faze, elle nous a vu. Tiens-toi à quelque chose et prépare-toi. Ne lâche pas. Mais, le navire, il est en train de se briser. Non. Le timon qui a dans le navire, je sais pas quoi ce qu'il dit déjà. Bon bah ça va, le navire est en bon état. Alors là, du coup, je sais pas c'est qui. Hey, lève-toi. Vas-tu dormir toute la journée? Lève-toi. Oh, ma tête. Aka, ça va? Alors, vous êtes enfin décidé à vous réveiller, hein? Homme au bras artificiel. Ok. Ah, mais on a vu dans le générique du début, ça. Par votre faute, Ragnam a réussi à s'échapper. J'étais si près. Ragnam? Ragnam? Tu m'en souviens maintenant? C'était l'énorme baleine qui nous a fait perdre le cap. J'ai cru que c'était la fin, mais vous nous avez sauvés. Merci. Merci? Merci, tu dis? Ne commence pas avec moi. Oh non. Hé hey. Ah, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrête pas de me faire mal aujourd'hui. C'était... On aurait dit de l'humour, mais... Hé, hey, que faites-vous, vieux crouton, vieux rouillé? Il n'a rien fait. Ça clash, ça clash. Il n'a rien fait. Je suis à la poursuite de cette baleine depuis des années. J'étais à deux doigts de la capturer. Mais à cause de vous, les gamins, elle s'est enfuie. Je suis vraiment désolé que vous ne l'ayez pas attrapé. Vraiment, bas les couilles. Pfiou. Les débris de votre navire ont déchiré mes voiles. J'ai de la chance que mon navire vole encore. Vous avez eu beaucoup de chance que je sois là. J'ai passé toute la matinée à jeter par-dessus bord les restes de votre navire. Maintenant, je vous ai tous les deux sur les bras. J'adore leur gueule quand ils sont surpris. Quoi ? Notre navire a-t-il détruit ? Oui, bon, ce n'est pas un bateau de croisière ici. Tout le monde à bord doit mettre la main à la pâte. Si cela ne vous plaît pas, vous pouvez sauter. Je dois maintenir la charge à un point minimum, de toute façon. Quoi ? Oh, génial. Dans quel pétrin nous sommes allés nous mettre ? Cool, on va avoir la vie d'un pirate. Ah, c'est stylé encore le navire. Je préfère les gros cuirassés. Descends dans la cale et remonte les deux cases de provisions sur la passerelle. Remonter deux cases de provisions sur la passerelle? Pas de problème, je les apporte tout de suite. En fait, monsieur, nous étions en route vers Valois quand nous avons été attaqués. Dans quelle direction va ce navire? Ah, ça ne te regarde pas. Au travail.
J'abandonne. Je n'ai pas vraiment le temps de faire ça. Mais que puis-je faire d'autre? Bah lui obéir. Tout simplement. C'est minimaliste. Voilà une très vieille carte. On dirait qu'elle est restée au soleil pendant très longtemps. Elle commence à se désagréger sur les côtés. Ouais, une carte de pirate, quoi. Bon. Deux caisses. Dans la cale, mais on... On peut aller encore plus bas. Où ça doit être ça? Bon. On dirait la caisse que le vieux voulait que je remonte. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On va prendre des caisses comme ça, parce que tu bousilles eux, toi. Génial. Cet homme va sûrement nous faire travailler comme des esclaves. Non, c'est pas moi. Ah, les éléments qui pop derrière petit à petit. Moi, je pense que c'est plus un bug de l'émulateur. Comme les dents. Oula, le micro. Excuse me. N'oubliez pas, ce sont des choses qui arrivent. Ça, ça va être bug de l'émulateur, les trucs qui apparaissent comme ça. Apparaissent et disparaissent, je pense. Pas désactiver le micro? Non, je pense pas. Pfiou. Tu es plus costaud que tu ne parais. Comment t'appelles-tu, jeune homme? Je m'appelle Vise, je suis un voleur bleu. J'avais l'habitude de faire ce genre de travail en gras sur le bateau pirate. Un pirate de l'air, hein? Bon, et pourquoi deux pirates de l'air navigueraient tout seuls? Eh bien, nous avons nos raisons. Monsieur, nous devons nous rendre à Valois, je vous en supplie. Amenez-nous là-bas, s'il vous plaît. Valois, hein? Raconte-moi. On va peut-être avoir le choix de lui raconter ou pas. Non. Si. Ah non, ouais, ils ont fait une petite ellipse qui est à chier. Mais... Et c'est pour cela que nous devons y aller le plus vite possible. Nous devons sauver nos amis. Essayer de chercher la bagarre contre l'armada, tu es fou, mon garçon. Je commence un peu. Je n'ai pas le temps de vous surveiller, toi et ton ami, et je dois retrouver Ragnam. Tente ta chance sur un autre navire. Je vois. Cela nous rendrait vraiment service si vous nous y ameniez, mais nous ne pouvons pas vous forcer. Au fait, pourquoi poursuivez-vous Ragnam? De toute façon. Je n'ai pas besoin de te le dire. Et il reste encore une caisse de provisions. Descends la cale et que ça saute. Génial, je lui raconte ma vie, il me dit pas un mot. Et après il me fait faire tout le travail. Il est vraiment bizarre. Bah non. C'est le pilote, c'est le chef. Hein. Je descendrai bien pour voir quand même. On est reparti à la deuxième caisse. Bisous tout. Des trucs cachourés. Ok. Le moteur. Non, ça va être un V6 ça. Marche au diesel. Où on s'en prend? Ah mais il y a trop de portes. On va d'abord faire la porte en haut. Et puis les petits, c'est pas fait pour vous là. Ok, c'est le pont. Ce vieil homme, il nous fait travailler dur. Il a besoin de se détendre un peu. Mais il nous a sauvé la vie. Alors, il ne faut pas trop se plaindre. Ouf, allez, retournons au travail. Oh, c'est puiser la planche? Je sais pas. Alors, ouais, il n'y a pas grand chose. Hmm. Une texture de corde. De choses à voir là. Ma petite porte. Allez. La porte est fermée à clé. Je demande ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, regarde par le hublot. Il y a des planches. Ah, il cache peut-être un secret. Direct, c'est la réserve.
Je sens des fruits séchés et de la viande à travers les fissures de la porte. Mais la porte est fermée. Okay. Le mec voyage seul, il n'y a pas d'équipage. Oui, c'est pas ça. Ah, il y en a deux. Comme c'est étrange. Quelle coïncidence, parce que... Je suis avec une amie. On est deux, du coup. Si on veut pas, elle doit dire oui. Oh, ok, bon bah y'a rien. Pour l'instant, ce n'est pas utile. Bon, on va lui apporter sa caisse, du coup. Génial, maintenant il faut que je me déplace. Merde, il faut que je déplace des caisses toute la journée. Ouais, il y en a que deux. Pas mettre toute la journée. Qu'est-ce qu'il y a dans celle-ci? Ça nul. Oh, une caisse avec des gens. Oh mon dieu. Là, tout bousillé, je nous montre. C'est fini, capitaine. Je peux pas pourquoi dire comme ça. Ok, corvée suivante. Prends la barre. Quoi? Vous me permettez vraiment? Je vais voir si tu navigues bien. Si tu ne peux pas naviguer, tu chercheras des caisses tout le reste du voyage. La plupart de mes fonctions se limitaient à des raids, donc je n'ai jamais vraiment... Je n'ai jamais vraiment barré notre vieux navire. Oh, ça se dit, ça. Je sais pas, je trouve bizarre. Je n'ai jamais vraiment barré un vieux navire, je sais pas. Ok. Je se rire. Bon. Ces jeux sont plutôt vieilles, mais elles sont en bon état. Et le gouvernail est si léger. Il répond bien aussi. Ce navire doit virer court. Et pour quelqu'un qui n'a jamais pris le gouvernail d'un navire de cette taille, tu as l'air de t'y connaître pas mal, mon garçon. Hé, j'ai passé beaucoup de temps sur la passerelle d'Albatros, alors j'ai appris pas mal de choses. Bien, voyons si tu es capable de naviguer. Notre destination est l'île des marins, à environ 40 lieues au nord-est d'ici. Au nord-est, d'accord. Attendez une seconde, vous pourriez au moins me dire le nom de ce navire. Et le vôtre, tant que vous y êtes. Le navire s'appelle Little Jack, et je suis Drachma. Ou Drachma, on dirait Drachma, c'est plus classe. D'accord, assez plaisanté. Le soleil va bientôt se coucher. Voilà, à vos ordres, Captain Drachma. Light Jack, on en tout. Drachma vous a rejoint. Drachma vous a permis d'utiliser sa pierre lumineuse. Mais je t'y confonds. Oh, nord-est, donc c'est plus par là. Et on passe à travers. Pas du tout. Ah, du coup, on va être 3. Bien, on va voir ce qu'il vous vient. Il y a 3 ennemis, c'est nickel. Alors, toi tu fais le plus près, toi tu fais... Ou plus loin, c'est celui-là. Et toi, bah, tu fais le restant. Cool, one shot. Un de moi. Allez, one shot et tous. On en parle plus. One shot, nickel. C'est efficace, hein, maintenant, contre les bestioles. Coup critique, oh, 283. Ok. Oula! Faut se mettre d'accord, hein, 16/9, 4 tiers. Ah, oh, il est niveau 12 aussi. Triche. Faut-il passer par là?
on va pas mourir. Et je vais passer. C'est dommage, d'ailleurs ça faisait illusion. Alors un instant. Lire le journal. Non, ah oui, c'est inutile. Putain, je sens qu'on va tourner en rond. Et se taper plein de trucs comme ça. Alors ça dépend ce que c'est. Vite. Rien du tout. Une fois sur deux, on va fuir. Par contre, je crois que c'est pas du tout la bonne direction. Au nord-est. Je sais pas, on va aller par là quand même. Peut-être un passage. On va skipper un combat une fois sur deux. Donc là on fait. On fait pas. Non, laisse-moi fuir. Voilà, ça fait que dalle. Ça va. J'aurais dû les combattre. Non, je veux fuir. Ah, on a manqué la fuite. Ok. T'en sous plus la fuite. Ça chie. Bon. Peut-être qu'on a en hauteur, je sais pas. On est au max, ok. En gros, c'est le ciel du ciel, quoi. Et on peut pas par là. Je sais pas où aller. Bon, on va le faire. Et tu vas faire plus de double. Ok. Panique, jusqu'au static. Ah, fils de pute. Ah non, ok. Zéro. Ok, t'as encore deux trucs comme ça? Ah, super, ah, super. On achève ça. Je pense que ça va le. Oh, bah, c'est le seul qui reste. Ah, je suis le. Bah, ouais. Ouais.
prendre la direction de l'est. Je prends la direction nord. Si on prend l'est et après un peu plus au nord, ça devrait le faire. Par contre, c'est un peu moche, on veut que c'est des couloirs. Ah bah ouais, l'est, le nord-est. Ce que je déteste, ce système aléatoire. J'ai peur qu'il manque sa retraite. J'ai peut-être passé à côté, hein. Putain, il y a un passage. J'ai pas vu. Le boulot. Bon, on a pas perdu beaucoup de temps. Ça doit être ça, ton ami.